maman qui porte son bébé. Donc je me rends compte que j'ai oublié de te présenter encore un moyen de portage. Voilà, il doit en avoir d'autres, mais bon, en tout cas c'est ceux, voilà, parmi ceux que j'ai utilisés, que j'utilise toujours. Donc c'est Tonga, je ne sais pas si tu connais. Tonga, c'est un filet, comme ça. Maman, il est chargé. Voilà, c'est écrit sur le logo, je ne sais pas si tu vois, Tonga. Et comme tu vois, c'est tout petit, tout léger, ça se plie. Ça devient comme ça, minuscule, tout petit. Ça se tient même dans la poche. Donc c'est assez pratique pour les déplacements, pour les voyages de courte durée, voilà, pour des portages occasionnels. Et là, du coup, je vais te montrer comment je mets le bébé dedans et tu vas voir si bébé aime ça. Et voilà, et je vais te montrer un tout petit peu, voilà, comment on l'utilise, qu'est-ce que voilà. Donc je te dis tout sur Tonga. Even when we're free, it's true, the difference is the same, the colors always change, but the song is the same now. Donc je vais vous montrer comment je fais, comment je mets le bébé dans Tonga. C'est très rapide, c'est très facile, je pense que c'est un des portages les plus faciles. voilà, pas de prise de tête. Donc je vais vous montrer. We can see so clear. Ooh, we can see so confortable, mais pas, voilà, on peut pas le faire pendant une heure. voilà, mais sur les courts moments de temps, voilà, si le bébé a besoin d'être porté et que vous avez besoin de faire quelque chose assez rapidement, et si vous pouvez le faire avec une seule main, voilà, déplacer quelque chose, voilà, sortir des choses du frigo comme je viens de faire, voilà, c'est possible. Donc ça, c'est une des solutions alternatives au portage classique, on va dire. Voilà, et je crois.
dire qu'il est vraiment content d'être là. Close but estranged now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth. Donc vous pouvez soutenir tout petit peu le bébé avec, avec l'autre bras, comme ça, si vous voulez. Mais c'est même pas obligatoire parce que voilà, ça tient tout seul. Voilà. Mais après, lui, comme il est tout contre moi, comme ça, j'ai envie de le tenir un peu. Qui sont un peu plus en cocooning. Oui, normalement ça coûte 9, j'ai vu que ça coûtait dans les 60 euros, donc c'est trop cher. Mais encore une fois, vous pouvez les acheter d'occasion sur le Bon Coin, dans Vinted, etc. J'ai acheté celui-là, je crois, 12 euros. Alors vous en trouvez entre 10 euros et 20 euros sur les sites d'occasion. Normalement, je croyais que c'était pour les bébés plus petits, voilà, à partir de moment ils peuvent s'asseoir. Mais voilà, comme vous voyez, voilà, encore à cet âge-là, on peut les porter. Coucou. Coucou. Non. Non.